Guilty Gear, Iguzad, Level 2. Mais oui, je vous ai jamais montré la présentation de l'opening de Guilty Gear Revelator 2. On se retrouve pour un nouveau dans la carte de tout d'abord. C'est quoi le gros truc pour apprendre les coups des persos? Parce qu'on va faire un nouveau perso de Guilty Gear Revelator. On va faire, après avoir fait Sol et Kai, on va faire... Sarah Dizzy, perso Dizzy, après avoir fait la fille, on va faire la femme, après avoir fait le fils de Kai, on va faire sa femme. Il n'y a aucun jeu de mots dégueulasse. Area 42. C'est juste des mots dégueulasses. Voilà. Dizzy, alors elle joue à ce que j'ai compris. Dizzy. Versus. Ok, merci le monsieur le directeur. Get ready to run. Je ne vais pas vous interrompre pendant votre présentation de personnage. Bref. Dizzy joue avec deux. Je sais pas comment les appeler en fait, je sais même pas ce que c'est. J'ai juste que Dizzy est une Gear, du coup, elle utilise des pouvoirs de Gear. Comme Sol qui se transforme en. Avec sa forme dragon, je crois. Notez les approximations. Dizzy, elle a quel âge? Elle a pas 12 ans. Parce que je crois que Sky, Sin, il a 2-3 ans. Les Gear vieillissent très vieux. Ils vieillissent, ouais, à vue d'œil, quoi. Je crois que Dizzy, elle est toute jeune. Hein. Bon, vu de la loi, ça passe, hein. Notez que j'essaie de meubler comme je peux avec ce temps de chargement nul. Allez, grouille ta mère. S'il te plaît. Bon, je reviens une fois que le temps de chargement sera terminé. Il fallait juste éteindre 2 secondes en fait. Le temps de chargement est terminé. La manette est pas reconnue. Ça commence bien. J'aime le jeu vidéo. C'est bon. Ça c'est qui? Ça c'est Dodge. Notez que vous pouvez tordre vos coups. Oui, je veux passer. Non mais je veux pas le putain de tes morts de. Nani. Merci. Alors, bravo. Ok. D'accord, t'as un pouvoir de clé, un pouvoir de. Bon, c'était ça. Punch or kick. Ah. S. Boule de feu. C'est ça que je vais me demander. Ah, que dire, les métiers maintenant, c'est... Ouais, bah c'est ça. Mais ça touche pas. Sans merde. Sans merde. Ça m'emmerde.
très âgé quand même. Je peux passer souvent parce que celui-là je l'ai fait, mais je pas. Oh, vous sentez qu'on va s'amuser. Oh, bon, il faut comprendre, t'as une partie qui fait mi-air. Ah mais j'ai pas les boutons, putain, c'est ça qui... Mais oui, mais même net, elle fait sauter, putain! Ah oui, j'ai le problème de la manette qui fait sauter en fait. Ah bah, ah! Alors, ce coup, jamais j'arriverai à le passer, quoi. Ah, c'est la raison grave. Le moment qu'on aime. Voilà, vous avez vu les coups de... Maintenant, on va passer à son mode épisode.
Et bien sûr, tu gagnes du fric. J'avais pas fait les. Alors, arcade, épisode. Je gagne de la thune, rappelons qu'il faut que je gagne de la thune pour débloquer Raven et que si je débloque Raven, il y aura qu'à son mode. Ok, en gros, le coup de. C'est même pas un coup quoi. C'est... Je vais te détruire la bus. Et comme je suis trop gentil et bienveillante, tu ne mourras pas. C'est ça le coup. C'est le coup de la bagnéance. Bon, allez, c'est parti pour 8 combats. 8 rounds. Et l'eau, ça veut dire qu'on va avoir un perso à poil. ソルとともに元老院の侵略を退けた海。しかしそれはより巨大な陰謀の前触れに過ぎなかった。さらなる熾烈な戦いを予想し、一抹の不安を宿す海の瞳の色をディズィーは見逃さなかった。ディザマン言ってないのと同じだ。私は聞いたディズィー、どうしても聞いたディズィー。Cependant, il était de côté du lac, il est revenu des nouvelles et tout. Bon, je pense qu'on pense que la grande bataille est en train. On voit clair dans ses yeux, la peur dans ses yeux. Bon, pas de perso à poil. C'est mal. Qu'est-ce qui branle, Michel ? 5 novembre 2187. Putain, mais ce jeu, vous imaginez dans 100 ans ? Vous imaginez ce jeu dans 100 ans, les mecs qui jouent ce jeu disent putain mais ils voyaient le futur comme ça les mecs. Masaka. On est aucune idée de comment se régénérer. Comment ça se régénère. Paradigm-san no hanashi de wa mou sukoshi jikan ga kakaru sou desu yo. Moi là, une queue. C'est étrange. On lui a dit, tu devrais peut-être demander à Monsieur Paradigme. Rasque n'aille des yeux. Anata ga yowaki ni naru nante. J'ai mis vu ici auparavant, peut-être que ça absorbe quelque chose. Sou miemasu ka? Est-ce que tu as vu ça maintenant, quoi? Est-ce que j'ai vu quoi? そのような目で見ては、剣がかわいそうです。Je sens de la tristesse quand je vois à travers tes yeux tristes, quoi. Fais-moi un bisou, ça ira mieux. Elle est aussi grande que lui. Eh ouais, elle a une queue, hein. C'est ses cheveux. 私の剣は、c'est une queue. いつの間にこんなにも短くなったのでしょう。This is a space. 以前はこの切っ先が届く中に世界が収まっていた。覚えていますか？初めて出会った時のこと。Putain, mais il parle d'épée, elle a le début. Oh, c'est un symbole, mec. C'est un symbole, mec. C'est un symbole, mec. Laisse-moi lui dire ce que tu veux être. Pas un mec. Je t'aime. Faire un enfant de toi. Anata o kirimasu. Je vais te couper à travers. Putain, mais cette bouche, c'est quoi ce bug? Je vais te couper en. Couper en toi, je crois que. Putain, mais ses yeux, mon gars. C'est sûr, c'est une synonyme pour je vais te défoncer la chatte. Vous, les gears. On a des droits de vivre, non. Les gears ne sont pas faits pour vivre. Excusez-moi, je suis vu dire. Ah bah tiens, Baikon. Qui a eu Baikon?
excusez-moi. C'était pas mon but, hein. Mais je sais, vous êtes amoureux, oh là là, vous avez aimé un gosse. À se demander comment Sin est blond, en fait. Il n'y a même pas une petite mèche bleue. On parle quand même d'un personnage qui a 12 ans, hein, Lizzie. Je crois, hein. Dans mes souvenirs, elle est jeune, hein. Elle a pas, elle est pas majeure, hein. Dizzy. Mais non, je veux Dizzy de Guilty Gear, étant donné que là, ça prend 10 ans. Dizzy, Dizzy. C'est une innocente Gear. Bah. Ne vous inquiétez pas, hein, on est toujours ici. Hein. Alors là, quel âge ? Hein, moi, j'aime bien savoir l'âge qu'elle a. Elle a 3 ans, très bien, tout va bien. Elle a 3 ans. Ouais. Ouais. Alors les deux, c'est des armes en fait. C'est Neklo et Udi. Watashi wa tada nakama o mamoritai dake desu. Protéger. 私もです。私もただ自分の世界を守りたいだけ。言葉が分かるのですか。ならば我々は戦う必要などない。いいえ、人が大きな力を恐れることは理解しています。 互いに火がなくとも争いは起きる。未知のものを恐れているだけです。Heaven or Hell. Duel. One. Bonne histoire. Let's rock. やめて. Arrêtez, c'est dégueulasse. Arrêtez de dire Yamete, madame. Bon, c'est un personnage. Oui, je prends une chute de guerre, mais en DLC. Yamete, ah. J'ai pas mis le genre. Des boules, boules magiques. Là. En vrai, ici, c'est un personnage. Prendre en main. Ouais. J'aurais pu faire mon finishing là. Pour voir si c'est pareil avec tout le monde. Alors, j'ai jamais vu sa pose de victoire. Ah, il n'y a pas de pose de victoire. Ah, on s'en branle, ok. C'est des gens et. D'accord, c'est des gens qui s'en branlent. Get ready to rock. C'est bien. Bien les personnages DLC. Ah bah oui, j'y pense, c'est un personnage DLC, Dizzy. De Révélator. Ah, ils ont eu l'intelligence de mettre des stories. Chose qu'ils avaient pas faite pour Ramletta, le tout ça. D'accord. Bizarrement, c'est mieux fait que pour les personnages de base. J'adore. Moi, j'adore. Gambatte. Ah d'accord, c'est juste Baiken, Baiken c'est plus avec un toi. Bon, les postes de victoire c'est pas pour toi, hein. De toute façon c'est pas toi qui décide. Ah mais un ami qui dans la garde. Salope. Non j'aime pas les salopes. Bon, les pingouins, c'est pas un pingouin, c'est un dauphin. Moi j'aime pas les dauphins, hein. Enfin si, je les aime bien mais pas dans le jeu.
dauphin. Attaque du dauphin. Ok, ok, j'ai compris. Hein. Oh la chope. J'ai compris. Hein. Hop. Le dauphin grillé pour que tu l'envoles. Le miroir magique. Ok, dans mon jeu, le miroir magique. Je ne sauterai plus jamais cette attaque. On aurait pu marcher dans une vraiment alternative. Pas du dauphin. Amuse dans le cheval. C'est quoi cette tête? Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Ouais, bon, j'ai confondu un hippocampe et un cheval. Excusez-moi, c'est un dauphin. Ah! Je crois que la bande son n'est pas ok. Ah si. Juste la chanson en fait. Ok, fais-toi plaisir, les curieux, on va rien dire. Oh, le... oh t'es gentil, la mimi des animaux. Ok, tu vas arrêter tout de suite. Preuve de zoophilie, j'ai horreur de ça. Tu es forte, hein? C'est ça? Je peux même dire que. Je t'ai repris le cul. Mei. Bah tiens, on a défoncé Mei. C'est Johnny. On va finir Johnny. Hein, Johnny? Et hop. Au suivant. Là, pour le moment, il y a une logique. Enfin, bof la logique, mais voilà, il y a une logique. T'affrontes Mei, maintenant tu affrontes Johnny. Après, t'affronteras... ton fils, tiens. Marve la gueule de ton fils. On va lui apprendre les bonnes manières, fils de pute, hein. Mais ça me paraît peu qu'elle ait 3 ans, en vrai, Dizzy. Pas très légal, hein. Donc ça veut dire qu'il s'est tapé une enfant de 3... Excusez-moi. Il s'est tapé quelqu'un de 3 ans, hein. C'est pas légal, hein. Je pense que aux yeux de la loi, tu te dis ouais, je me suis tapé ma femme à la 3 ans, ça passe pas. Ah non, il y a un problème. Parce que. Voilà, si vous faites pas votre taf, hein. Ça va pas le faire. Parce que apparemment, d'ici à 3 ans, mais aussi à la 5 ans. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle est pas encore née, il y a. Ah, elle est peut-être. Elle est peut-être morte. Pas trop les gens en voiture. Boule de feu. Ah ouais, mais Johnny, moi je connais pas, c'est un peu mort. Arrête de faire ton kéké. Je peux plus que t'appelles Johnny, que ça y est, il a fait à la maison. Tu vas saouler Johnny. C'est fini Johnny. Alors, ah, tu vas chier ta chiasse ou merde. Tu vas chier ta chiasse. Ok, j'ai oublié comment on peut. Tu vas lâcher ta chiasse. Oui bah c'est bon. Tu vas lâcher ta chiasse, putain de bordel de merde. Et voilà. Mon attaque je suis dans le monde. Et j'ai perdu le combat. It's not over yet. C'est moi. C'est pas un pro gamer. Ah d'accord, la boucle tu peux la faire quand tu veux. T'as pas un coup. Ok, c'était ridicule. C'était ridicule hein. Allez hop, petit bisou de l'animal. Est-ce que tu manges des légumes? Est-ce que tu as besoin que je reprenne... Tu as besoin que je reprenne un cuisinier...
Quoi? Tu parles, VJ, c'est quoi des VJ? Ah bah tiens, on va foutre le collègue de papa. C'est quoi des VJ? C'est des légumes, ouais. C'est ce que je me disais, mais je croyais que c'était autre chose. Est-ce que tu manges tes légumes? Est-ce que tu manges tes épinards? Alors comme ça, on mange finit pas ces épinards, petite pute! Alors Johnny, tu mangeras pas tes épinards? Ah bah très bien, je vais te défoncer la gueule. Ah là là, Johnny, il mange pas ses épinards. Bah déjà, il s'appelle Johnny, donc déjà... Ah bah alors Johnny, hein, on mange pas ses épinards, bravo hein. Bah Léo, lui, c'est le genre de bonhomme, je pense, à bouffer du lion, hein, parce qu'il est un peu motivé dans la vie. Nos quatrième stage, il reste la moitié hein, de personnages à frapper dans la bouche. On va éviter de galérer comme un connard. Qui suis-je? Je suis le roi. Mais rappelons que dans le il n'y avait pas de son arrêt. Ouais, il n'y avait pas son stage. Voilà, j'ai fait le bon mot. Ah, j'ai chauffé. Hop. Bah dis donc, tu peux faire beaucoup de choses avec les ailes. Yamete Kudasai. Arrête de faire des dragons au vent. C'est assez drôle en fait, parce que t'as une partie des coups qui sont du coup, une partie de la glace. Oh, il m'a chauffé, singe. Singe de tuer. Ah, voilà la position du crabe. Je ne pas un peu mieux, c'est important. Je te mets en position de frappe qui te permet de bloquer le niveau. Ah oui, c'est vrai qu'il a un double grave. Rappelons que je suis en mode facile. Pour éviter de galérer. Oui, c'est pour gagner la chance. Non, Neklo-san. Chier. Non, Gamelo. Pas dans un château il y a deux secondes. Pourquoi il y a une explosion nucléaire derrière mon dos? Abandon, d'accord, c'est 24. Bah, t'as sauvé le pote de ton père, le bébé de ton mari. Là, ça a du sens. Que j'ai frappé dans la bouche le roi. T'as failli nucléariser le roi, même. Désolé, j'ai nucléarisé le roi. Ah bah, non. Attends, en fait, le coup de Dizzy, je sais à quoi il me fait penser. Il me fait penser à la combinaison de coups de l'attaque ultime de Akuma. Il faut faire avancer, il faut reculer, il faut faire paf. Attaque ultime, hein, rappelez-vous. Putain, mais il faut s'en souvenir, hein, cette combinaison de coups, parce que faut le savoir. Hein. Bon, c'est quand tu veux le jeu. Bon, on va couper. Qui c'est qui me dérange pendant que je fume ma beuh? Ah, une petite dose de ça, parce que... Ils sont dans cette moule, oui. Heaven or hell. Duel. One.
Let's rock. ごめんなさい。Non, c'est pas toi que j'ai inspiré, il y a deux petites traits. Je sais pas, c'est cela. Ramène de l'eau, ça du gars. Counter. Boule de feu. Ah, c'était Matayumi. Boule de feu. It's not over yet. Odoroitagane. Oida, hanashi wa yona. Oi uchi ga osoi yo. Parce que je te dis, merde. Pourquoi tu comprends que j'ai fait encore? Allez, mais Nico, t'es énervé, Nico. Mais peut-être que tu t'arrêtes de boire du café, parce qu'apparemment, t'es vraiment énervé. Allez, hop, après avoir nucléarisé le roi, on va nucléariser un ventre. Arrête de nucléariser tout le monde, bordel de merde. Putain, on va m'appeler la bombe atomique maintenant, bravo. Alors, sans bras. D'accord, j'ai failli mourir. Pas de problème. Bon, c'est pas que je suis mortel parce que c'est un vampire, mais... Très bien, c'est une belle vitalisation. Il se pose en mode quoi là, c'est bien ce que t'as fait. Kenka wa yappari suki ni narimasen. Demo, sekai wa sorezore no chigai de naritatte. Ukeirere no nara, anata no ikikata mo watashi no kata nano desu ne. J'ai rien compris à ce que t'as raconté, Dizzy. Dizzy versus Milia. Get ready to rock. On va tabasser l'équipage des Jellyfish. Ah ben on va tabasser les membres de la guilde des assassins. Il y a une certaine logique pour le moment. Et après, c'est les rivaux. Ah, disons qu'on a eu un rival, on va dire. Désolé meuf, mais j'aime pas tout ça. Ouais. Elle a une queue. Pas avancée. D'accord, je ferai pas de blague. La... Comment ça, Muda? Je crois que t'aimes la glace parce que. Oh, elle a aussi des ailes, mais. Elle nous choque. Arrête de dire Yamete, je veux me croire dans un mauvais état, bordel de merde. Moment gênant, aucun des jeux personnages. Gênant. C'est gênant. J'arrive pas à toucher, c'est gênant. C'est gênant, ça commence à être gênant. Fais pas ta boule magique. Ah. Bon, tu feras gaffe, hein, t'as tes cheveux sur mes fous. Ah, ça a touché. Moi j'essaie de faire un truc. Bon, ça a marché. Sauf que j'ai oublié comment faisait le coup. Un des deux aussi. Un des deux. Rien de chialer, on va croire que t'es dépressif en mode de merde. T'as son gaz. Je suppose que. C'est pourquoi tes sentiments
plus à l'heure du départ. Je suis là quand putain l'IA est en mode normal, on va s'ennuyer. Oh, il y a un problème là. Parce que Faust est un rival de Dizzy. Je suis à la recherche de vous d'auteur, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de chialer et j'ai une queue. Docteur, je ne comprends pas, j'ai une queue. Et j'ai des boobs. On va m'expliquer un bordel là, hein. Il se passe des trucs, hein. Et il y a aussi, bon, on va pas en parler, hein, mon aile gauche qui arrête pas de vouloir nucléariser les gens. À un moment, pour se faire des amis, c'est chiant, quoi. Tous les deux secondes, j'essaie de nucléariser les gens. Rendez-vous deux. Regardez, docteur, j'ai envie de vous nucléariser la gueule. Si vous m'avez rien fait. Ah, encore une cinématique. Le pouvoir de détruire. Osiete-kudasai. S'il te plaît, dis-moi. Nanika o mamoru kakugo to wa dareka o kizutsukeru kakugo nano desu ka? Est-ce que tu es préparé pour sauver tout le monde? Sono toi wa. Mais putain, vous parlez trop vite. Muzukashii desu ne. Kotae o hitotsu ni shiborikomu ni wa hito wa osana sugiru. Shikashi, kore dake wa wakarimasu. 誰も傷つけない世界があったとしても、人が傷つかない世界はありません。いえ、その傷を背負わない世界を、私は人の世だと思えません。だから私は、誰かを傷つけうる力や行いに、どんな意味があるのかを考えるべきだと思います。力の意味。自らに問うこと、それをやめてしまった時こそ、人は誰かを傷つけても気づかなくなる。それはどんな暴力よりも恐ろしいことです。私にもあなたのような心の強さがある。そう思うのはあなたの心に椅子がないからでしょう。椅子？立ち話では心を開いた話はできない。だからあなたを切ります。点数は1名。無料討論その1。これは非常に重要です。Mais je t'ai mort, ma manette elle était débranchée. Hein, j'ai pas touché comme ça. What? J'ai essayé de faire un Zawando et je me prends dans le cul. C'est quoi cette... Non mais y'a... C'est quoi cette box de la mort? Ah, la page fait des dégâts maintenant. Dommage. Eh ben ouais, j'ai perdu la moitié de ma vie, c'est moi qui remonte quand même. Non mais franchement, il y a des... C'est moi ou il y a des Xbox un peu bizarres? Ok, il n'y a pas de scène de victoire. Ah, cinématique.
逃げてください。追っ手が来ます。どうしてですか？あなたには何度も私を撃てる機会がありました。どうしてそうしなかったのですか？あいつの言葉を思い出しました。言葉をこじらせると伝わるはずの気持ちが伝わらなくなる。知って欲しかったんです。あなたの力を受け止められる人間もいるということを。Ah moi je croyais qu'on allait affronter Kai en tant que rival. Ah oui bah oui forcément. Alors je sais pas si c'est du coup le Kai. Alors soit c'est super bien fait et c'est le Kai jeune, et là on fait un combat de, du passé. Soit c'est un combat récent, tu vois, c'est dans le présent. Alors dans les deux cas, c'est du jeune. D'accord, c'est dans le présent. Vu les dégâts. Ah, à notre qui en a ta va, quoi, 大きさで測るものではない。100人の言葉が1人の独裁者に届かないことがあれば、1人の言葉が100人を奮い立たせることもある。力とはその時々で形を変える。求められるのはその意味だと。私の力も今は意味を持っています。なるほど。ハラークくんのマスクさん、パーティーですやんな。強っ、どこにいる。ペイパークット。ブラボー、ハブラボーか、ムシュカイキ。Bravo de frapper votre femme. Bravo, rien vous dire. Bravo, hein. C'est pas parce qu'elle est jeune que ça y est, faut... Hein, faut la frapper. Vous la battez avec une épée. Ah, bravo, hein. Bel exemple pour la jeunesse, hein. Et toi, tu t'excuses pas de la frapper. Salaud, là. Toi, tu frappes ta femme, tu t'excuses même pas. Ah, elle s'excuse, elle a l'honneur de s'excuser. J'ai peur, c'est trop bien. Bon, apparemment, on ne peut pas prendre les bonnes manières. On va faire de la meilleure lutte. Oh non, on est contre des cognes là. Autant un vampire et le roi, je peux comprendre. Mais mon mari quand même, il déconne un peu là. Ah, fais pas ça, mais il est malade. Il perd mon enfant quand même. Oula. Ah mais comment il fait? Qu'est-ce qu'il imagine là? C'est pas du tout mon enfant. C'est ma femme, hein, je l'aime. Elle était pas du tout, elle était pas à deux doigts de lui faire arrêter la gueule.
私はまだ弱い。C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas du bon militaire. La guerre. Mais chérie, hein, t'aurais pu avoir une autre façon hein, pour demander le divorce. Hein. C'est un peu violent comme, comme manière. Hein. Je suis pas très fan de cette manière.強くなりましたね。今はちゃんと椅子がありますから。あなたが無事に帰り、そこに座ることができるように。Tu peux t'asseoir dedans. D'accord. Arigato. Merci. Et appelle le mot. My lover. Non, ils sont pas du tout. C'est ma femme de 12 ans. Elle a raison. Donc voilà, on a fini le mode épisode de Dizzy. Il restera... Ah, ça va du coup, de nouveau de Révélator. Dans 5. Il est classe hein, le thème là. Donc Dizzy, alors c'est vrai, hein, j'ai tout le temps un petit résumé du perso de ce moment. C'est un perso très intéressant parce que c'est très beauté avec le choix de la gueule. C'est marrant, j'aime bien. Après bon, bien sûr, je n'ai pas essayé avant. Ce que j'ai été là, c'est sur le tas. Hein. Mais bon, je vois que j'ai pris beaucoup de plaisir à tenter de nucléariser. Bon, par contre, il y a un défaut qui est vraiment très dur à placer. Hein. Bon, c'est un perso qui nécessite beaucoup d'heures d'entraînement avec Makoto. Oh, ce clin d'œil au perso. Ah ouais, il fait à participer à ce jeu. Mais vraiment, ce qui est vraiment Donc le prochain monarque, ce sera sans doute, je sais pas. On verra bien, je peux pas dire... Ah oui, j'avais dit Rammetal. Ah, celui de Rammetal. Mais j'avais dit, je crois que j'avais déjà dit que celui de Rammetal dans cette vidéo. C'est-à-dire que finalement, c'est celui qui s'y trouverait. Continued. Très bien. A to be continued. Bientôt. Très très bientôt. Mais on commence à avoir une petite histoire. Hein, avec entre Kai et... Mais bon, il en reste quand même pas mal de persos à faire. Plein de points. 1 375 000. Je crois qu'on avait plus. On avait fait moins avec Kai. Et voilà, game over. Je terminais, donc voilà, et cette vidéo est également terminée, donc on va se retrouver bientôt pour un prochain mode épisode de Guilty Gear Revelator 2, donc d'ici à portez-vous bien, c'était Arcanum, à bientôt, des bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, c'est très très important.